Good morning. Bon matin, bois les mirins, ça fort. Ouais. J'aurais peut-être pu isoler avant un petit peu. C'était pas ça le but, coucher dans une place qui faisait froid, là, mais on n'a pas le choix. Faut faire ce qu'on va faire. C'était quand même un pire spot, on était sûr de ne pas se faire achaler ici. Malgré qu'il n'y a pas de toilettes proches. On va aller à la recherche des toilettes, d'un bon petit déjeuner. Après ça, on est retour sur la route. On a réalisé que très en face de le stationnement, il y avait un service center, genre un centre de service avec plusieurs petits restaurants. Il y a un Tim Hortons. Tim Hortons, il venait juste d'ouvrir. Chambre de bain super propre. Il y a vraiment un beau spot qu'on s'est pogné pour la nuit. La seule affaire, c'est qu'il aurait dû faire plus chaud. Crucial, on est rendu aux douanes. Ça va être une grosse étape de fête après ça. Ça va être comme, pff, on est passé, bon, US, go. Puis plus qu'on s'en va, plus qu'il fait chaud, ça va bien. Direct de Buffalo, il y a beaucoup, beaucoup de neige ici. Je sais pas si on a dit notre destination. On a vraiment dit qu'on partait, mais on n'a pas dit où est-ce qu'on allait. On s'en va au Kentucky, on s'en va passer le Thanksgiving avec la famille. Puis pour se rendre là, on a passé par le Niagara Falls. On a choisi des chemins qui évitaient toutes les bosses de péage. Fait qu'on a longé le lac Erie aussi, très beau lac. On prend des petites routes qui est parfait pour l'Ouest. Notre premier pan en Ouest, on n'a pas complètement stallé, mais on manque de puissance. Le problème avec ça, c'est que j'ai zéro outil avec moi. Tous mes outils sont en Floride. On est environ 530 km avant d'arriver au Kentucky. J'ai vérifié, rien de lousse, pas de connexion. J'avais des fils de bougie, c'est la seule chose que j'avais, puisque je voulais les remplacer éventuellement. Je les ai remplacés, ça n'a rien changé. J'ai essayé d'identifier un cylindre, je vois rien de spécial. Là, l'idée, je pense, ça va être de continuer notre chemin tranquillement, essayer de faire ça sécuritairement, parce que si on prend un chemin autre que l'autoroute, ça additionne 3 heures sur notre trajet. Là, il reste 5-6 heures à faire. Fait que je pense que l'idée, ça va être d'embarquer sur l'autoroute, mettre ses 4 flashers. D'après moi, je peux rouler quand même 80 km/h, maintenir cette vitesse-là, puis on va sauter pour le meilleur. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que le moteur tourne super bien wide-out pareil, sauf qu'il prend pas sa puissance. Il manque de power. Fait que Marie en a profité pour aller à la salle de bain. Je vais avertir notre monde qu'on va vraiment arriver en retard.
puis qui garde l'œil ouvert si jamais il faut faire quoi que ce soit. Parce que le towing, c'est pas mal une grande distance. Et on va essayer de se rapprocher le plus possible. Je pense pas de tomber en panne complètement, sauf que sur l'autoroute ici, là, ça roule très vite. Puis il y a quand même des inclinaisons, là, ça monte tranquillement, puis longtemps. Fait qu'on perd beaucoup de vitesse en montant là-dessus, puis les camions arrivent très vite. Fait qu'on met les quatre flashers, puis on va souhaiter que ça allait le bien. David est dans un magasin, un O'Reilly. C'est un peu comme un Napa, Carquest, quelque chose de même. Là. Il est parti voir si on peut pas trouver une pompe à gaz, une pompe à essence universelle ou quelque chose de genre, parce que il doute que ça peut-être être ça. Là, il est rendu 4 heures. On devait arriver à 6 heures au Kentucky, donc on s'entend que ce sera probablement pas aujourd'hui qu'on va se rendre. On le sait pas. Tu sais, l'aventure pour elle, ça me dérange pas. Je suis prête pour ça. J'ai aucun problème. En fait, je vis l'aventure depuis. Tu sais, quand tu as eu un voilier, tu sais un peu à quoi t'attendre. Fait qu'un Westphalia, je me disais pas, bah, tu sais. Si... Mais là, on voulait fêter Thanksgiving demain avec nos amis, puis tout ça. Puis là, bon, on est même pas sûr de pouvoir le faire. Fait que c'est poche. C'est poche. On va voir comment ça va finir. Tu sais, même si t'avais des mécaniciens, il y a les capacités de faire le diagnostic. Puis tout ça, ça va. On est allé acheter des outils aussi au Walmart parce qu'on n'a pas d'outils. Tous ces outils sont à Tampa. Fait que on est allé en acheter pour qu'ils soient capables de faire ce qu'ils voulaient faire. Un petit kit là qui avait presque tout dedans. Là. Par contre, même s'il est capable de faire le diagnostic, c'est les pièces que ça prend. Puis ça, c'est plus difficile. Puis ben là, demain, c'est Thanksgiving. Fait que tout est fermé. Fait qu'on va souhaiter que c'est rien de grave. On va souhaiter que c'est quelque chose que les pièces, puis qu'on soit capable de faire la route. Comme David dit, ça ne dérange pas au pire. On va faire la route plus tard ce soir, puis on va essayer de se rendre. À suivre! David vient de regarder les spy plugs. Première chose à faire avant tout, et ça a l'air de ça. Je vous montre. Moi, je m'y connais pas, mais je la trouve pas propre. Fait que j'imagine que c'est pas normal. Puis, il dit que l'autre apparaît, est correct. Est correct. Fait que je vais vous montrer la correcte. Expose en combustion. Faut qu'il y ait des spy plugs qu'on a besoin. Il faut que ça soit, juste ça. Non, mais ils sont petites affaires plus hautes. C'est des champions. Je vais voir s'il n'y a pas un équivalent. Parce que je m'en fous si ça marche pour l'instant. Fait que je vais faire une recherche internet, parce que les autres, ils ont pas l'air à trouver bien. Je vais faire une recherche sur internet équivalent à ça, puis je vais leur demander s'ils n'ont pas les numéros des plugs que je vais trouver sur internet. Ça va être le plus facile. Regardez pas mon ménage, là, parce que j'ai pas fait le ménage un matin quand on est parti. Il faisait super froid, fait que j'ai tout garoché. Fait que regardez pas mon ménage. David sort du O'Reilly prise 2. Ils n'ont pas 4 spark plugs que j'ai besoin. Ils ont un équivalent, mais il n'y avait pas 4 de l'équivalent. Il y en avait 3, puis j'en ai un autre qui est équivalent. Fait que j'ai 3 spark plugs pareils, puis un autre différent. Puis c'est des spark plugs. C'est super de bonnes spark plugs, mais que j'aurais pas mis ça sur le West, mais c'est juste ça qu'il y a. J'ai pas échoué. Elles sont à 6$ chaque, les autres normalement. Hey, on s'en fout tant qu'on est capable de partir. Ouais, c'est ça. On aime ça l'aventure, il n'y a pas de trouble avec ça. Mais là, on a un souper de Thanksgiving avec des gens importants, fait que c'était important que ça fonctionne. On est-tu prêt? Les bougies sont installées. Hier soir, j'ai fini la soirée à faire plusieurs autres tests sur le véhicule. Il faisait noir, j'ai pas filmé,
Mais j'ai décortiqué tout le manuel de le système d'injection sur ce véhicule-là qui est très simple et j'ai rien vu de normal qui me fait penser peut-être l'ordinateur moteur, malgré que c'est très rare que ça tombe défectueux. Mais toutes les autres choses que j'ai testées sur le système d'injection testent bon. C'est là, au point-là, que je suis rendu, qu'on est vraiment embêté. C'est pour ça qu'à ce moment-là, que je pense qu'on va pas pouvoir réparer ça sur place. C'est pas le bris qui m'affecte le plus, c'est pas pouvoir le réparer et pas pouvoir me dépanner moi-même. C'est plus ça qui m'affecte. J'ai même été au Walmart, me chercher un multimètre, puis pouvoir faire tous les tests, puis aucune conclusion pour l'instant. Fait que là, on va malheureusement être obligé de se faire remorquer. Il reste environ 450 km avant qu'on soit arrivé au Kentucky. Mais quand on est des bons amis comme ça, ils s'en viennent nous chercher. Ils ont loué un U-Haul, un Dolly, pour pouvoir mettre notre Westie dessus. On pourra se faire tirer jusqu'au Kentucky. Il y a une bonne chose là-dedans. Moi, je suis tout le temps pessimiste. Je suis tout le temps à voir les choses de la bonne côté. C'est qu'on va se rendre là beaucoup plus vite à se faire tirer par un pick-up que d'y aller sur l'autoroute avec l'OS. Mais malgré tout ça, j'abandonne pas. Puis je vais quand même faire quelques petits tests en attendant que notre remorqueur arrive, notre rescue team, comme je les appelle, de venir nous remorquer ici. Puis j'ai quelques petits tests à faire, fait que je vais prendre de l'avance aussi à vérifier mes affaires. Puis souvent, c'est le problème, c'est que, et de un, j'avais pas d'outils. Tous mes outils sont en Floride, fait que c'est sûr qu'on a été acheter les outils. Et de deux, quand tu réussis à diagnostiquer quelque chose, il faut avoir les pièces. Aujourd'hui, on est Thanksgiving, tout est fermé. Hier, on a arrêté dans le cours du O'Reilly's. Ça a tout pris pour avoir des bougies. Il y avait deux bougies d'une sorte, deux bougies d'une autre sorte. C'était des équivalents qui fitaient tout en masse pour l'essayer, aucun problème. Mais c'est quand même difficile. Puis là, en étant jeudi qu'on peut rien commander, on peut pas faire grand-chose. Ça a pris plusieurs jours avant qu'on ait des morceaux au bout de la ligne. Fait que je pense que c'était la meilleure solution, ça va être de le faire remorquer. Puis là-bas, ben, il y a un garage, fait que je vais pouvoir le mettre dans le garage pour pouvoir travailler au chaud parce que tu travailles un certain bout, tu auras tendance à te réchauffer, ça fait un diagnostic qui va être très long. Anyway, on se décourage pas, ça c'est sûr. Not towing. It took you so long. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Thanks for coming. No problem. Il doit faire frais cette nuit. Non, t'es correct. Mais t'as de demain. Oh, la petite fois c'est bon. You helped me load up the van when I bought it. No, I didn't. I wasn't even there. Yes, you were. It was late at night, remember? Nope. Oh, hold on. Rescue team! Ouais! Allez, rescousse! Ah, on le voit. On n'aura jamais été aussi vite en Westphalia. Ouais, en plus, il y a du chauffage. Thank you.
T'as arrêté une belle route à faire avec le West. On l'a fait avec le West de B. Ouais. Il est là, il est parti. Il m'a réussi de bon chemin, il m'a massé dedans. Hey, je voulais faire une ride de West dans, dans cette rue-là, fait que pourquoi pas, hein? Not good! Tu sais, nous là, on cherche pas l'aventure, c'est l'aventure qui nous trouve. Ça a bien été pareil. Ah, ça c'est drette, ça va super drette. Vraiment.